soit ça rentre, soit je suis un peu plus performant, c'est de mettre de l'attention sur l'avant de pied. Déjà, j'ai appris à grimper sur la pointe et pas comme un canard. Écoutez, on est quasiment sur la fin de notre salon de l'escalade qui s'est déroulé à Lyon. Pour la marque La Sportiva, c'était une trois belles journées avec la partie professionnelle où on a eu des magasins, des gérants de salles qui sont venus voir nos différentes gammes de chaussons, surtout pour la partie location au niveau des professionnels. Et ensuite, on a eu la partie, on va dire, Monsieur Tout-le-Monde à partir du samedi jusqu'au dimanche où là, ils sont venus voir les nouveautés 2022 avec la Mantra. Et ils ont pu venir aussi la nouvelle Cubo qui a eu un bon succès sur un chausson de milieu de gamme, plutôt orienté salle, donc qui était vraiment spécifique par rapport au salon de l'escalade, et qui ont pu être essayés sur les différents blocs qui étaient proposés au salon de l'escalade. J'ai une pratique plutôt orientation bloc dans ma jeunesse, entre guillemets. Et voilà, donc c'est vrai que je suis fidèle par rapport à La Sportiva. Je suis fier de représenter cette marque-là au niveau national, dans les événements et sur la promotion. Et on voit bien que la marque La Sportiva a un petit coup de cœur par rapport au milieu de la grimpe, parce que chaque fois on nous dit oui, ça a été nos premiers chaussons, je grimpe toujours avec ça. Et par rapport à la recherche et au développement, c'est voilà, je ne peux être que fier de représenter cette marque-là.